Bonjour Internet, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, moi je l'ai, je retrouve sur YouTube en vidéo pour une petite vidéo gameplay. On va tester Fear the Wolf, le dernier des Battle Royale développés par Vostok Games, ceux qui ont fait la franchise Stalker. On se lance donc dessus, Fear the Wolf, jeu actuellement en accès anticipé depuis le 28 août 2018 sur Steam. Le prix de cette Early Access c'est 20€ hein, sur Steam directement. Donc jeu en développement, hein, Early Access, je rappelle le principe, vous payez un jeu qui n'est pas encore sorti officiellement, qui est au en développement, donc il peut subsister des bugs et moult améliorations à venir. Alors, système simple, Battle Royale jusqu'à 100 joueurs, avec météo dynamique, avec aussi un côté PVE, pardon, notamment des loups et des présences d'anomalies radioactives, parce que vous jouez dans un monde post-apocalyptique autour de la gare de Tchernobyl. Voilà, tout ça, nous proposons un programme assez sympathique. Allez, sans plus tarder, on lance ce gameplay, les amis. Donc, on va se lancer une petite game, Fear the Wolf. Donc, il n'y a pas trop d'options hein, pour le moment pour gérer son personnage. Hein, notamment, je parle des skins en tout genre. Hein, skins que vous pouvez looter comme dans Battle Royale, dans des caisses, en gagnant des parties. Donc, on est en train de se lancer ça. Le match est en loading. On a une espèce de lobby. Hop, j'ai les touches qui ont l'air de fonctionner. Bah, c'est parfait, c'est parti. On va se tester ça. Donc on sent bien là ce terrain Ruskov sur les bords, enfin plus que Ruskov même, ex-URSS, et nous sommes 21 apparemment. Ça fait peu, j'ai fait des games où on était beaucoup plus que ça, mais bon c'est pas grave. On va se commencer une game comme ça à 21, on arrive de là. Moi j'ai visé, j'aime bien viser loin moi. Runia, ça fait peut-être loin, on est que 21. Je sais pas, on va voir. Est-ce que ça descend un peu là? Pas du tout pour le moment, personne saute. Si, quelques sauts, il y en a un qui vient de sauter, jump, ça jump un peu. Allez, moi j'ai visé. Alors je sais pas ce que c'était la différence entre les points, les zones rouges et les zones blanches. Mais je vais viser là-bas, là, à 2 km. Alors qu'on passe devant une espèce de. Une installation bizarre. Allez, moi je tente là-bas. En prenant les petites baraques qui sont sur le chemin. Allez, zou. Alors par contre, je ne connais pas les touches. Non, on va essayer d'être pas trop mauvais. Mais il me semble que ma touche action, je l'ai définie. C'est ça principal. Je trouve l'inventaire, tout le merdier. On va commencer bah, par là. Hein. Écoutez. Et on n'a pas, ça c'est chiant. Surtout dans ce type de jeu. C'est la touche vue libre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée. Vous savez, c'est cette touche qui vous permet de regarder, de bouger la tête tout en avançant toujours dans le bon sens. Qui libère juste la tête, qui libère juste la vue, du coup. Parce que là, si je regarde à gauche, je suis obligé d'aller à gauche en marchant. C'est chiant, hein. Voilà. Donc, Fear the Wolf, nous sommes 22. Première game. Petit gameplay. Il y en a déjà un qui est mort à bout de coup de poing. Eh bien. Moi, je vais viser là-bas. Ça me paraît bien. Là, le marqueur principal que j'ai mis, on va y aller. Et on va essayer de se looter... au moins une arme ou deux. Hop, petit freeze. Histoire d'être OP quand même en cas de fight. Alors qu'est-ce qu'on a de la merde? Un chargeur. Ça fait pas bézef. Alors j'ai déjà fait une game ou deux hors vidéo. Et j'étais franchement pas mal. Fini dans un top 10, mais on était 40 aussi, et pas 20. Et là, j'avais l'impression d'avoir looté plus de trucs, plus rapidement. Et il y a encore des mécaniques de jeu assez spéciales. Ah, voilà, c'est ça qu'il me fallait, au moins un gun. Merci. Bon, par contre, là, c'est la sensibilité de souris qu'il faudra que je gère parce qu'elle est vraiment trop élevée. Et c'est pas bon de pas être à l'aise sur sa souris. Ça, j'ai déjà... Ça, j'ai fait ou pas? Ça, j'ai pas fait. Ça, ça peut servir. Hop. Un pick-up. Est-ce que mon holo, je peux le foutre sur mon gun? 9. Ça, par contre, je peux le foutre sur le gun. C'est bien. Un quick draw. Et j'en profite vite fait pour... Hop. Option, baisser un tout petit peu le contrôle. Je suis à 1.25. On va faire... 1.19, voir si ça change. Voilà, puis on tourne in-game.
C'est un tout petit peu mieux. Alors, c'est là qu'il faut être malin. On va quand même viser Kobashi. On va quand même viser Kobashi. Moi, ça me parle. Et là, le temps a changé, vous avez vu. On passe en mode brouillard. C'est à l'intérêt du titre, hein, c'est ça. C'est juste ambiance un peu pesante. Il y a des loups. Et il y a surtout tous ces changements climatiques qui se mettent en branle, et puis des forces un peu plus bizarres. Hein, je sais pas si on va traverser. Des fois, il y a des zones de. Je sais pas si on peut appeler ça des zones d'irradiation ou quoi, mais bref, c'est le bordel. Il y a un système d'adrénaline et tout. Je vous avoue que j'ai pas encore tout pigé. On a quand même 17 en vie, la map est super grande. La map est quand même grande. Et on n'était pas beaucoup au départ. Hein, pour rappel, on peut aller quand même plus que 17. Hein. Enfin, plus que 21 du moins. Alors, on a commencé à 22. On était à 22 quand j'ai sauté. C'est vraiment pas beaucoup hein, pour un BR. Surtout au vu de la taille de la map. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y a des zones qui commencent un peu à se renfrogner? Pas encore. On devrait pas tarder. Ambiance assez lourde, ambiance assez pesante. On entend de temps en temps un peu de la musique. Des trucs qui craquent, des trucs qui font clic 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 clic. Donc un peu d'angoisse. Alors moi, je suis une grosse flippette sur les jeux, en tout genre. C'est pour ça que je ne joue pas aux jeux d'horreur. J'ai horreur de ça, voilà, c'est le cas de le dire. J'aime pas me faire peur. J'ai trop d'immersion quoi. Je me mets trop dans le jeu. Et du coup, bah, je suis dedans et je me fais des frayeurs tout seul. Rien que cette ambiance de merde, avec des fois des sons comme dans les films d'horreur qui résonnent au loin, j'aime pas trop. Je suis pas super à l'aise. Puis là, je suis en plein fog. Des espèces de violons pourris. En fait, j'ai plus peur de tomber sur je sais pas quoi, une bande de loups affamés qu'un autre joueur. Que je verrai pas parce que je suis nul en BR. Enfin bref. On continue. Allez, on arrive à un bled. Qui est ici en face. Il est pas dans le rayé. Voilà. Là commence à avoir des zones qui se rayent. Donc qui vont être inhabitables. Donc on n'est pas dans le schéma classique avec le rond. Le fog qui fait un rond et qui ramène tout le monde dans un épicentre. Là, ce sont des petites zones qui sont petit à petit rayées. Allez, un futal. Allez, c'est là maintenant qu'il faut loot. Là. C'est là maintenant qu'il faut se mettre, faut trouver une vraie arme. Ah, j'avais trouvé un... Ah, tiens, il y a des trucs cool, booster et tout. J'avais trouvé un super fusil avec lunettes la dernière fois. J'avais fait du kill, tiens, une armure. Alors. On a déjà ça, une armure. Un pantalon. On est pas mal dans notre bled pourri, là. Aucune porte est ouverte. Alors, à moins que quelqu'un les ait refermées derrière soi, mais normalement. Allez, respirateur. On devrait être pas mal. Et un peupon. Ça, le peupon. Ça fait. Zizir, par contre niveau mumu, c'est moyen bof hein. Alors ça, un shotgun shock, hop, voilà. Donc je suis au peupon. Est-ce que je vais pouvoir trouver ça? J'ai déjà. C'est moi qui ai ouvert ça? Non. Ouais, bon, c'est un truc pour pistolet, j'ai déjà. Généralement, les églises, c'est un bon plan. Donc, on va aller vers l'église. Pour l'instant, dans mon bled, je ne croise absolument personne. Nous sommes plus que 14. Ah ah, 1 x 4. Et voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Et c'est ça que je trouve. On peut changer apparemment le mode de tir. Je ne sais pas trop comment, on aura une touche. Et là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Ça, je vais le virer. Ça, je vais le mettre là. Hop. Ah, faut laisser appuyer, ok. Est-ce que je peux pas changer ça dans mes options vite fait, vite. Contrôle, mousse.
Ouais, non, c'est pas marqué. Ah, vous entendez le bruit là? Je sais pas ce que c'est ça. Ça fait un bruit de radiation, c'est bizarre. Ok, on est pas mal. Oh putain, enculé de loup. Non! Tape, il a l'air mao ce bâtard, regardez-le! Dégage! Dégage! Un délire, toi! Bon! Au moins, si je tue pas un joueur, je vais tuer un loup. Regardez là! Je sais pas ce que c'est ces trucs là. Ça fait une boule. Bizarre. Je peux aller dedans ou je meurs? Ah, bah non, tu meurs! Ok. Ok, c'est une espèce de. J'ai une infection d'adrénaline maintenant. Bon, on va se casser d'ici, ça pue de la gueule. Ça va être la grosse merde dans le coin. Allez, on va viser au hasard par là. C'est un peu de Julien, hein. Fait chier, bordel. On va viser par là. Bon, c'est la merde, quoi, ce coin pourri, là. Ouh là 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 là. On sert des bouboules partout, là, de forces super naturelles. Allez, barre-toi, mon cadre. Putain, j'ai pas loué de grand chose du coup, fais chier, merde. Ah! 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 Je suis dans le gaz. Qui est pas vraiment un gaz, mais plutôt du coup un. Je sais pas quoi, une zone irradiée. Allez, cours, mon gars. Plus vite que ça, putain, je suis loin. Alors, y a pas de véhicule, enfin, en tout cas, mais j'en ai pas vu. Des véhicules qui roulent. Je sais pas si ça se fait. Donc voilà les mécaniques du BR. Zone d'infection d'adrénaline. Des espèces de champs magnétiques bizarres qui te trament la gueule. Et des loups. Oh. 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 Ok, j'ai perdu masse vie. J'ai perdu masse vie et je pense que je peux pas la récupérer. On va tester, hein. Comment j'utilise ça? Ah si, c'est bon. Puis un painkiller. Voilà. Ça me remonte un peu. Bon. On n'est plus que 11. Et je trouve que c'est ça pue de la gueule. On va viser par là, là. Allez. Cassos. Alors on se remet plutôt bien là niveau vie, c'est pas mal. Ah, par contre j'ai vraiment quoi, j'ai 17 balles de sur mon vrai fusil là, lunettes. Ah putain, merde. Je suis pas bien là. Ah putain, puis il y a les bouboules surnaturelles. Ça fait flipper les bruits que ça fait là. Allez, trace mon gars. Vite. Et là, tu tombes sur un loup. Oh, je vais quand même pas mourir comme ça. Ce serait ridicule pour la vidéo, pour le gameplay. Allez, un peu plus à droite pour s'en évacuer rapidement. Oh, fait chier, bite. Et du coup, j'ai même pas le temps de loot quoi que ce soit avec cette merde là. C'est quoi, c'est un cimetière? C'est quoi ce truc là? Généralement, c'est mauvaise idée ça. Oh là, il y a bouboule. Oh, angoisse. Comment tu veux t'en sortir vivant d'un truc pareil? Et on est toujours 11. Là, on va commencer, je pense, à tous se rencontrer. Ok. Alors, pareil, faut pas traîner. Infection dans une minute. On va essayer de changer de carré. Je pense que c'est par là que ça va jouer. Je vais être obligé de tracer tout le long, là. Je vais pouvoir avoir le temps de looter quoi que ce soit. Fait chier. Oh, putain. Ça serait quand même bien de ramasser un truc, quoi. Ça, j'ai déjà. Ah, merde, putain. Mon cassos. Ah, j'aurais pas le temps. Si je traîne là, je vais me faire fumer. Je vais me faire adrénaliner, infectioser. Je suis même pas sûr de pouvoir m'arrêter là. Bon, alors à mon avis, ça a déjà été clean, ça. C'est le milieu de map. Des mecs ont déjà dû sauter ici, il y a pas longtemps. Ah, putain. Ah! Mes balles de shotgun! Je suis en train de tout fumer sur un putain de loup. Il est où? Ah! J'ai plus de vie, je vais crever. Ah, je vais crever pour rien, ça va me tendre. Ah, le jeu de merde.
Ah, le jeu de merde où c'est même pas un joueur qui aime tuer, mais l'environnement. Ah, le délire. Ah, puis en plus, maintenant, il y a une tempête. J'avance encore moins vite et je vois rien. Donc comme ça, s'il y a un champ magnétique, je le vois même pas. Putain. Ah, quelle daube. Ah, puis là, ça fait du bruit, hein, la pluie, la vache. Bon, mon gars, là, faut absolument que tu trouves de quoi te soigner en évitant les loups, s'il te plaît. Oh, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Je suis où, là? On va viser là-bas. Ah, on est encore 11, hein. On a encore 11 gugus à traîner dans cette pampa pourrie. Ah, y'a peut-être des véhicules, quand même, parce qu'il y a un petit signe qui dit véhicule. Sous la pluie, véhicule qui glisse. Allez, moi j'y crois. Est-ce que vous croyez en moi? Bah, va falloir. Allez, on est plus que 10. Est-ce que j'essayerai pas des petites baraques qui sont là? Allez, là-bas. Moi j'y crois là-bas. C'est quoi ce coin de merde là? On dirait un truc de sorcier, tu sais, avec des... Un endroit où on fait des sacrifices humains. Ça me plaît pas du tout, cette ambiance. Pourrie. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Oh, hein? Oh la vache. Avec les éclairs et tout. Allez, j'espère que c'est des maisons, ça, les petits points gris, là, qui se fait sur ma map, parce que là... Allez, on y croit. C'est maintenant. C'est maintenant que je me refais une santé. Ouh. On n'était pas beaucoup au départ, mais il y a quand même un peu de tension. Hein. Enfin, heureusement qu'il y a l'environnement qui fait son taf. Ça, j'ai déjà. Ah, putain, une boîte de croquettes, s'il vous plaît. J'entends un véhicule. J'entends un avion. Il y a un avion qui va larguer une merde. On va prendre les mumus. Pantalon. Ah, un truc à oxygène. Bon, allez, hein, pourquoi pas, on va le prendre. Hein. Est-ce que ça peut me permettre de gagner du, de moins crever dans les... Ouais, peut-être. Ah! Mange. Mange, je te dis. Ah, ça, ça fait plaisir. Allez, painkiller, on va se le garder. On est plus que 9 en vie. Ok. On s'est refait une petite santé. Ah, c'est pas le même gun. Comment j'ai de mumu pour celui-là? À 83, bah, je vais le garder quand même. Je vais garder celui-là. Est-ce que je peux mettre... Ah, l'inventaire est plein. Est-ce que je peux pas virer ça? Parce que je peux le mettre nulle part. Ah non. J'ai déjà un red dot sign. Ok. Bon. Ça, j'ai... C'est des balles maintenant qu'il va me falloir. Ah, il n'y a plus que 8. Là, il y a un véhicule. Alors, les véhicules dans les BR, j'ai jamais été fan. Tout simplement parce que ça fait un bordel monstre. Et que moi, je suis plutôt du genre sneaky bitchy. Alors, à votre avis, gauche ou droite? Ah bah, on va aller à gauche, hein. Au vu du développement de la carte, on va foncer vers là-bas. Donc là, à part les loups pour le moment. Il y en a un là. Ah! Putain, culé. Dégage! Dégage! Putain, bon, voilà. On parlait de loups, mais... Donc pour le moment, c'est vraiment les loups, hein, qui me chassent plus qu'autre chose. Mais t'as pas intérêt à t'endormir. Mais ils font peur en plus les loups sur ce jeu quoi. Franchement, on est un des putains de loups zombies d'espace. Ouh. Ouh. Ouh, dégage. Putain. C'est paranormal. Ah, un petit silencieux, ça peut être utile. Hop là. Voilà. Allez, on se refait encore le plein de mumu. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Ok, de la mumu.
un silencieux, j'ai déjà. Et là, et ben j'ai déjà un respirateur de niveau 2, moi, tu vois. J'ai déjà pas mal. Et encore des mumus, ouais, bon, on va faire le plein. Allez, on se casse. J'aimerais bien des vraies munitions pour des vraies armes, parce que là, mon pistolet, ça va bien. Il est full, mumu, mais bon. Allez, on est plus cuite. Ça va se finir vers Stechanka. Ça va être là-bas que ça va se jouer. Allez, donc là, faut faire gaffe. On est plus que 7. Faut faire gaffe au loup, gaffe au joueur. Ah, putain. Ah! Dégage! Dégage! Putain! Dégage! C'est quoi ce loup d'espace là? Non! Non! Pas un loup! Oh bordel de chier! Ah les gars, je vais crever! Ah non, hein, pas à cause d'un loup, bordel! Ah, je serais déception là! Ah, puis j'ai plus de munitions, j'ai plus que le gun. J'ai plus que le gun, ça pue de la gueule. Est-ce que j'ai le temps d'aller vite fait dans les baraques en face? Ah bah y'en a là. Non, c'est même pas des baraques. Bon, on va voir ce que c'est. Ah putain, j'ai plus le temps. Ah, je vais crever à cause de ça. Allez mec, je suis déçu. Oh non. Oh non, pas l'environnement qui me tue, s'il vous plaît, non. Oh non. Évacuation dans 90 secondes, trouver un hélicoptère. Oh non. Putain, y'a rien à bouffer ici. Merde, j'ai crevé ici à cause des loups et du temps pourri. Non, non, non. Allez, un hélicoptère là-bas. Ah, putain. Ok, hélicoptère dans 90 secondes. Mon respirateur. J'ai plus d'oxygène dedans. Super. C'est la gros. Putain de merde, putain de loup. Tiens. Fais pas chier. Ah, puis il y a des bouboules de l'espace là aussi, chez bordel la bite. Putain, les mecs, j'ai jamais sorti vivant de ce bordel, on est plus que 7. Ah, j'entends un avion. Allez. Avec mes 30 PV à la con, je risque de pas faire long feu. Allez, vite, sors de cette zone avant qu'elle s'active. Je dois. Ça, c'est fait. Vite. Ah, oh, j'ai crevé! 9! 9! 9 HP de merde! Ah, je vais crever! Ah, oh, merde! Ah, oh, putain! Ah, oh, je suis déçu. Ah, oh, la mort! Ah, oh, la mort à la con! 9 HP, on est plus que 5. Et là, je vais tomber sur une boule qui va me niquer la gueule. Oh putain, les gars. Ah, je suis déception, franchement. Oh, la partie de merde. Sérieux. Bon, pour une première partie, on a bien. On a vu. On a vu comment ça se passait. On n'a pas vu un seul joueur. On n'a pas vu un seul joueur. Eh, 9 HP, sérieux. Ah, c'est l'environnement qui va me tuer. Ça, je suis qu'à 400 mètres de l'hélico. Hein. Putain. Allez. Allez, galope, mon gars, là. Allez. Oh, je suis trop loin. Mais regardez, c'est trop long, 400 mètres. Ah, là, je tombe sur un loup, c'est foutu. Allez. 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 Il n'y en a plus 4, bordel de merde. Fonce. Fonce, tata, fonce. Allez, t'arrives à l'hélico. Allez, bro. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a des mecs qui campent et qui te niquent la gueule. Parce que t'as que 9 HP, tu te prends une balle dans le pied, t'es mort. 3. On est plus que 3. Attention à la bouboule. On est plus que 3, mais je suis dans le gaz. Vite. Tu peux le faire. Ah, je vais me faire fumer. Je le sens que je vais me faire fumer par un type qui campe. Ah, ça va me tendre. Ah, ça va me tendre. Allez. Allez, mon gaz. Allez, concentre-toi. Allez. Tu regardes un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est safe? J'en sais rien. Mais moi je me casse d'ici. Moi je me casse d'ici. Moi je me casse. Casse-toi. Oui. 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 Oui.
évacue-toi. Évacuation, vite. Vite, vite, vite. Ah non, putain. Oh, enculé. Non, attends. Ah. Non, 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 non. Ah, le fils de chien. Ah, putain. Bon, bah, voilà. Ah, la déception. Ah, laissez-moi. Je vais éclater. J'ai éclaté la rage. Ouais, ouais, j'ai fait le rageux. Et bah, enfoiré. Enfoiré. Enfoiré, enfoiré, enflure. Ah, le bâtard. Ah, je suis déçu. Franchement, j'y croyais trop. Je pensais que j'étais dans les derniers. Il y avait une bagnole. Je me suis dit, mec, ça y est, c'est déjà barré et tout. Ah, franchement, j'ai les boules. Bon, c'est pas grave. On a gagné un peu de fric. On va s'ouvrir une caisse. Alors, laquelle? Plutôt Stalker ou militaire? Allez, plutôt Stalker. Allez, on va ouvrir. Et on a une belle coupe de cheveux de Stalker que nous allons appliquer dès maintenant. Et voilà, on va lui mettre un truc. Voilà, regardez. Vert. Là, il est beau. Bon, bah voilà, les amis, c'était Kaz pour ce gameplay sur Fear the Wolf. Un peu déçu, quand même. Un peu déçu, mais bon. Je vous dis à très bientôt, prochain de vous, tous les liens en description de la vidéo. Bye tout le monde, bisous.